Bonjour bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le 17ème épisode d'Afterbirth Plus. Dans l'épisode précédent, on a fait une magnifique partie avec un perso avec lequel j'avais pas joué depuis longtemps, c'est-à-dire Lilith. On est arrivé à Gridier et malheureusement il nous a battus, mais c'était limite, hein, mais c'était cool comme partie. Et aujourd'hui, vous savez quoi, on va faire du Keeper, pas en Gridier, faut pas déconner. Mais, vu que c'est le premier épisode depuis que j'ai fini mon boulot en semaine, j'en ai parlé rapidement dans l'épisode précédent, forcément. Bon. Disons que je vais avoir le temps de faire bien plus de vidéos, et ça c'est cool. Ça c'est bien cool. Mais bon. Il y aura des nouveaux concepts. Pas mal de choses, je ferai une annonce dans pas très longtemps, mais j'ai besoin d'abord d'un petit peu de... d'un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. Et si tu pouvais me filer une pièce, ce serait cool quand même, hein, parce que à ce rythme-là, je vais crever. Bon. Il y a aussi des chances que je joue un tout petit peu mieux, même si, voilà, hein, je vais sûrement être quand même rouillé comme d'hab. À chaque fois, mais... Voilà, bon, on verra pour ça, mais wow. Disons qu'en temps normal, je me serais sans doute déjà fait toucher, là, donc c'est plutôt cool. Bon, est-ce que j'ai envie de faire du Gridier sans faire de reset? Pas forcément. On va voir ce que ça donne déjà, mais... Bon. Ah, je voulais garder les mouches. Alors, une clé, qu'est-ce que tu me donnes? Bursting Sap, ouais, non. Eh, vous savez quoi? Ouais, non, mais si on rentre à l'intérieur, on va mourir. Ok. On a une bombe, la Secret Room ne peut pas être là. Je la verrai bien ici, du coup. Nice. Qui c'est? Oui, c'est pas vraiment ça qui va m'aider, hein. Lockdown. Parce qu'on n'a pas assez peu de luck avec... avec ce perso. Et vous savez quoi, on va reset, hein. Parce que... Tiens, je vais pouvoir tester si tout va bien. Un petit peu de lag, mais très léger. Ah, ouais, ça va. Bon. Ça va. Sachant que j'ai mis à jour le pilote de la carte graphique il y a pas longtemps. C'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il nous faut. Clairement pas ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le dé infini, je crois. Je l'ai débloqué, mais je ne l'ai jamais eu encore. Reroll forever. Je ne sais pas ce que c'est. Reroll forever de quoi? Et d'ailleurs, pourquoi ça a la gueule du D12? What? En gros, ça va alterner entre chaque dé. C'est intéressant. Mais bon. Pas exactement ce qu'il nous faut avec ce perso. Bon, j'ai joué 2-3... room avec ce truc, on va voir ce que ça donne, mais... Qui sait, peut-être que ça va nous donner un item de fou. Mais bon, on n'a pas d'item pour l'instant, donc c'est pas sûr. Ouh. Belle esquive. Même si je m'y attendais pas. Hop. Du coup, il est chargé le truc, mais qu'est-ce que j'ai envie de reroll? Bah, je sais pas, j'ai rien à reroll pour l'instant. Bon. C'est quoi? On va faire le boss et ensuite on verra. On verra ce qui va se passer, hein. C'est bizarre comme item.
Nice. Enfin bon, ça va, c'est Larry Junior quand même. Hein. Alors, un health up, je prends et je D4. Mums, oui, gars, c'est pas dégueu. Et après, j'ai le descend. Non. Wow. Il va me prendre des trucs. Après, Momswig, est-ce que ça suffit? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Bon, ça m'étonnerait qu'il me reste... je puisse avoir d'autres salles avec ça. Wow, salaud. C'est possible, en fait. Ouais, ouais, on va avoir une charge de descend. Bon. Voyons ce qui va se passer, hein. On pourrait reroll le coin, mais c'est pas vraiment le principe. Et du coup, Bob's Brain. Ta-da-ta-da-da-da. Bon, c'était au revoir. Pourquoi pas. Mais ouais, ça peut être intéressant de jouer avec cet item. Mais pas en tant que keeper. Si tu veux que je foute avec ça. Bon, ça peut être utile, mais... Il y a mieux quand même. Oh! Le jeu qui refuse de reset, quoi. Genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Vacidos Veins. Ok, c'est bien, mais ça ment. C'est pas ce que ça fait. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Oh mon dieu! Oh mon dieu, mon dieu. Alors. Allez, donnez-nous un truc sympa qu'on puisse commencer. C'est pas terrible ça, non? Shrink shot. Ouais, bah surtout que ça ne donne pas de stats, quoi. Donc bon. C'est un petit peu débile. Oh le salaud, il nous a eu! Je m'attendais pas à me faire toucher. Alors. C'est pas comme si j'en avais quelque chose à foutre des strikes, hein. Même s'il y a un achievement pour ça. Bon, allez, donne-moi un truc bien quand même, un moment. Ouh, Lemon Mishap, best item ever, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Dead Kiss. Enfin, c'est sympa, mais je peux pas remplacer mon item, hein, c'est mort. Allez, sois cool, et toi, va te faire foutre. Alors, le pacte qui nous tuerait. La Goathead qui ne nous tuerait pas. Et en fait, on est foutu parce qu'on peut pas sortir. Ah ah. C'est con, hein. C'est complètement con. Bon. Effectivement, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Camo Hunting. Quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces items? J'ai pas de mode en plus donc. Tiens, en parlant de mode. Le premier booster pack, c'est-à-dire la. Qu'est-ce que je fais? La grosse update de. Bah, de mars de Binding of Isaac Afterbirth va pas tarder à sortir. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire la semaine prochaine ou. Enfin, non, c'est-à-dire cette semaine même possible. Donc c'est plutôt bien timé avec mes vacances, disons. C'est sympa, mais... Bon, allez. Si je trouve pas un truc rapidement, je vais faire une petite pause et, comme d'hab, attendre de trouver un item bien, parce que sinon, voilà, on va pas faire une session de reset. Faut pas déconner. Bon, dans l'absolu, j'ai le temps, hein, mais... Oh mon dieu. Please. Voyons. Heureusement que j'ai jamais fait de speedrun, de vrai speedrun dans ce jeu, parce que sinon je gagnerais jamais, quoi, c'est pas possible. Avec des recettes pareilles, c'est n'importe quoi, et je crois que je me parle un peu fort. Bon. J'ai l'habitude de parler en étant crevé, du coup, là, bon, ouais, je m'en fous, mais... Oh là là... Il n'y a plus d'item home, elles ont disparu du jeu. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non mais je m'en fous de tes Curse Room, de toute façon je peux rien faire avec. Curse of Dark.
Aïe aïe aïe, ce jeu, sérieux. Cursed Eye. Oui, bah oui. Bah oui. Bien sûr. C'est la fête. Allez. Ok, bon. voilà, je vais faire pause et dès que je trouve un bon item, je relance parce que là, c'est abusé. Bon, je suis de retour et donc dans une curse room, j'ai trouvé The Mark, j'ai utilisé mon coin qui m'a donné une pièce. Ah bah, du coup, je peux même en prendre une deuxième. Donc, je peux survivre. C'est quand même un plus de damage, donc même si ce n'est pas le meilleur item du jeu. Pour commencer, c'est pas trop mal. Et j'aurais pas dû utiliser mon truc dehors. C'était une connerie. Du coup, je risque de crever. Ah bah non. Ok, bon. C'est un bon start. On va faire avec pour l'instant. Oh putain. Je n'aime pas cette salle. Wow. Putain, c'est quoi ces items? Enfin, pas ces items. Ces ennemis qui m'esquivent comme ça. Qui sont résistants plutôt. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? De la fire rate. Plus de damage, bien sûr, mais ça, pour l'instant, ça va. Faudrait que je conserve des pièces, hein, j'en conserve jamais assez. Oula, cette salle, non, je lui fais pas confiance. La dernière fois que je l'ai vu, ça pouvait spawn des machines sur toi et plus te laisser sortir, donc c'est mort. Je n'irai pas dans cette salle. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de... Ouais, j'ai pas eu d'item room en fait, donc bon. Effectivement. C'est vrai que je me base entièrement sur le... l'item de la curse room. Bon, secret room ne peut pas être là. J'ai 3 bombes, hein, donc bon, bah, elle devrait être en bas. Mais je vais d'abord visiter l'item room. C'est jamais. Bon. Pas grand chose d'intéressant ici. D'accord, si vous voulez. C'est inutile, mais ça me donnait des mouches de temps en temps, je crois. Vu qu'on peut pas avoir de cœur, apparemment. Un Judgment peut potentiellement me donner un health up aussi, si je prends Devil Deal. Donc c'est... ouais, ça peut être intéressant. Bon, voyons si on trouve quelque chose de sympa dans... la secret room, des pièces, je peux en avoir une de plus a priori. Nice. Bon, le shop sera moins utile bien sûr, mais ah, on a une clé, on peut y aller. Alors, je pourrais avoir encore plus de thunes. Pas vraiment utile ça, les pilules. Allez. C'est en fou. Bon, du coup, j'ai perdu ma carte, c'est con. Pretty Fly. Deux Pretty Fly, ouais, c'est pas mal, ça. C'est de la bonne défense. C'est de la bonne défense. C'était worth it. Et sachant que les bombes sont moins utiles. Nice. Là, je pourrais même acheter un autre truc, mais bon. Rien d'intéressant, là, tout de suite. C'était quoi, ma carte, déjà? Ah, c'était Judgment. Bon, bah, ouais, c'est un peu dommage, mais... on va faire avec. Bon, pin dans une petite salle. Wow, c'était limite. Bon. Nos mouches vont bien nous aider, à mon avis. Ah, c'est très bien pour de la défense. Ce n'est pas un tier zap, malheureusement. Un peu de speed et shot speed, ouais. Pas forcément. Bah bon, passons au niveau suivant. Alors, Burning Basement, ou le niveau du lag, mais ça va. Et que les paramètres sont bien réglés, ça passe. Bon. Ouais, pas hésiter à générer des pièces, hein. Avant de se battre contre les ennemis. Oh, 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 oh. C'est quoi cette résistance de fou, là? J'ai l'impression que je fais moins de damage que ce qui n'y paraît. Vu la taille de mes tirs. Mais bon. Toujours risquer les pilules, hein, mais bon. Health down, c'est de la merde. Makes you small. Ouais.
Ça ira. Alors. Wow. Ah, les mouches qui me protègent. Hein. Pratique, pratique. C'était un bon choix. Bon, risqué, bien sûr. Hein. Ça aurait pu être des health down. Hein. Mais... enfin, si ça avait été deux health down. Mais bon, bref. Je crois pas que ce soit obligé que ce soit la même pilule. Et je parle de health down, ça va être maintenant, là. Full health, non. je tente le diable, mais... je tente ce cher Satan, bon. Bref. Ah bah, j'ai pas de clé, c'est con. C'est con, c'est con. RIP, clé. Ouh. Eh non, mais... il me file masse de thunes, là, c'est cool. Enfin, bon, sans clé, ça va servir à rien, mais... je tente vraiment le diable. Bon. Alors, ouais, bah, j'ai pas de clé, quoi. Allez, filez-moi des clés. Soyez pas salaud. Ah, cool. Du coup, je vais aller dans le shop d'abord. Parce que j'ai plein de trucs, déjà, d'une. Restock, yes. Bag lunch. Ça sort d'où, ça? Je voulais pas le prendre. Lockdown, bon. Pourquoi pas, j'ai pas d'autres clés, ce qui est un petit peu débile. Ce truc ne me servira à rien, a priori. Glowing Hourglass. Si je me fais toucher, je peux revenir en arrière, mais... est-ce que j'ai envie de jouer comme ça? Non. Non, non, non. Bon, on va prendre une bombe quand même. Je pourrais l'utiliser pour avoir un autre truc, mais bon, c'est pas nécessaire. Bon, y a pas de cœur d'argent. Essayons d'avoir une autre clé, mais sinon, c'est pas grave. Enfin bon, ça vous serait bien d'avoir un autre item quand même. On a plein de mouches autour de nous, hein, c'est pratique, mais... on pourrait les garder pour le boss. Enfin, si j'y arrive, bon... il y aura peut-être une clé si j'explose ça. Nope, c'est une bombe. Peut-être une clé dans la super secrète si elle est là. Ah bah elle est pas là, bon. Larry, encore. Elle est déjà pas... non, ça devait être dans une autre partie ça. Putain mais il a plein de vie ce con. Non. Allez, donne-moi une vie. Donne-moi un health up. Nice. Et du coup, on va potentiellement pouvoir prendre un Devil Deal si ce n'est pas Krampus. Ce n'est pas Krampus. C'est un objet Guppy que je ne peux malheureusement pas garder parce que, voilà. Même si les mouches sont... ah, les mouches sont excellentes, quoi, mais ouais, je peux pas... je peux pas me débarrasser du coin, c'est trop puissant. Hop, du coup, je reprends ça, c'est parfait. Et vu que je n'ai pas de clé et que je ne peux pas accéder au truc, bah, je me casse, voilà. C'est vrai que j'ai un trinket, hein, apparemment. Je sais plus si je l'ai acheté ou si je l'ai eu en mode random, mais... bah. Eh, on a déjà un objet Guppy, hein, mais... bon, si on veut en avoir d'autres, ça va être un peu complexe, mais... ah! Ok, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça a fonctionné. Ah, j'aime pas ces ennemis, saloperie quoi. Il nous faut plus de dégâts et plus de fire rate peut-être aussi. Fire rate suffirait, mais c'est vrai que c'est pas comme si on avait Polyphemus non plus. Tant heureusement, parce qu'avec cette fire rate, si on chope Polyphemus, ça va être dégueulasse. Donc, non, s'il vous plaît, non. Alors, bon, je regarde quand même ce qu'on n'a pas fait. Bon, on n'a pas fait grand chose avec ce perso a priori. Je crois que... attends, j'ai quand même battu le chest avec lui? Je m'en souviens pas. Ou alors c'est les trucs qui sont buggés comme d'hab, mais... je sais pas, bizarre. Ça me paraît étrange, je ne me souviens pas avoir battu le chest avec ce perso. Mais bon. Alors... je sais que j'étais arrivé à la cathédrale, mais... le chest? Non, non.
J'étais arrivé au chest. Oh putain. Merci les mouches. Hop, ah, ouais, bon, Tinted Rock, même si c'est pas forcément très utile avec ce perso, mais... Toujours être la Small Rock, hein. Ce qui sera utile, en l'occurrence. Wow, on se calme, les mecs, on se calme. On se calme. Avec ces machins de l'armure. Allez, ramenez-vous. Voilà, ça vous fera plus mal. J'ai toujours pas de clé, hein, c'est con. Wow, ok. C'est une belle esquive, même si... Oh, j'aime pas ces monstres. Oh, putain, c'était quoi, ça? Bon. R.I.P. Devil Deal, hein. Bon, c'est pas comme si on avait une chance de fou d'en avoir aussi, mais bon, quand même. Ah, arrêtez de spawn ces merdes, je les aime pas. Ça doit être les ennemis que je déteste le plus dans Afterbirth Plus, quoi. Ouais, c'est dans le plus qu'ils sont sortis, ces trucs. J'aime pas ces trucs, c'est horrible. Surtout qu'ils arrêtent pas d'en spawner masse à chaque fois, donc je... Et je n'ai toujours pas de clé. C'est complètement stupide, bon. Avec moins 3 de luck, ça ne va pas aider. Ouais, super, celle qui sert à rien. Ouais, mais non, enfin, ça n'a aucun sens. Je viens de penser à un truc marrant, genre je peux poser une bombe ici, balancer la pièce de l'autre côté. Comme ça je rentre, je la récupère. ça peut être marrant, mais c'est complètement abusé, mais ça peut être marrant. Oui, non mais merci, vous êtes sympa, mais j'ai pas de clé, bordel. C'est complètement abusé cette histoire de clé. Des bombes, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de tes bombes? Oh, ça suffit là. Ça suffit les portails là. On se calme. Merci. Toujours pas de clé, hein. C'est n'importe quoi. Alors, bon, bah, la Secret Room ne peut pas être là. Il me semble qu'elle peut pas être là-haut non plus. J'aurais pas dû prendre cette pièce. Oh, c'est foutu, là. Mon plan tombe à l'eau. Ouais, elle peut pas être là non plus. Ah, ça peut être que là, je crois. Yes. Toujours pas de clé, hein. Je peux rien faire avec ça en plus. Bon. C'est complètement stupide. Super Secret devrait être là. C'est la Demon's Tale, mais ça me sert absolument à rien. Bon. J'avoue que je suis un peu dégoûté pour cette histoire de clé, hein. Ça fout en l'air ma partie, mais bon. Fuck you, jeu, hein. Et j'ai pas gardé de pièces pour le combat, ce qui est stupide. Se concentrer un peu. Oh, le cop, what? C'est quoi ce temps de réaction de fou là? Il s'est téléporté sur moi, c'est pas possible. Alors là je dis bullshit. Gros bullshit. Ultra gros bullshit. Bon, 0,2. Putain mais... Mais sérieux? Il est maintenant 16h.
30. Faire Q canadien, merci aussi, mais... Oh, mais là c'est pas possible, quoi. Je sais que j'ai pas le meilleur temps de réaction du monde, mais là c'était du bullshit, hein. Là j'ai le seum. Je vais goûter. Allez vous faire foutre. Putain! Crève, salopard de perso de merde, je m'en fous de ta quince. Aïe! Putain de jeu. Bon. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de tes trucs? Oh là là. La perte de temps, quoi. C'est quoi ça? Pause. Qu'est-ce que ça fait? Ça doit poser une salle, mais comment? Je sais pas. Ça pose jusqu'à ce que je me déplace ou. Apparemment. What? Attends. Je vais voir comment ça marche parce que. Ça pose pendant très longtemps. J'ai envie de voir si c'est parce que. J'ai attaqué que ça s'est arrêté ou si. C'est vraiment aussi longtemps, ce qui peut être grave cool du coup. Alors si là je fais pause. Ouais, à partir du moment où on tue un ennemi, ça s'arrête. Ouais, c'est pas. C'est pas ouf, mais c'est intéressant. Non, maintenant donnez-moi un bon item et laissez-moi tranquille. Sérieux. Je veux bien tester le Mom's Knife maintenant. Ouais, je m'en fous de ta Pokéball, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Waouh. Non, c'était dégueulasse l'histoire des clés, hein, c'est, voilà. Bon, ça commence à être chiant. Oui, j'en ai loupé une, du coup. Bon. Vous me fatiguez avec vos conneries, là. Est-ce que je vais faire la même chose que tout à l'heure? Apparemment, c'est la seule chose qui va faire. Putain, mais les flammes en ce moment, mais. Et même pas, quoi. Le jeu pour ninja. What the fuck? Non, mais c'est pas possible d'avoir une chance pareille, quoi. C'est pas possible. C'est pas moins 2 de luck là, ce que j'ai, c'est moins 8000 quoi. Pas possible. C'est vraiment con qu'ils aient remplacé ces salles par des items aussi. Mais oui, non mais what the fuck quoi. Ouh, vas-y, tue-moi. C'est n'importe quoi. Regarde, moi c'est snipe quoi, c'est fou. Que j'en fasse de The Soul, bon, ça peut me protéger, mais... Dépression. Ah là là, cet item. Joker. Rotten Baby est pas mal, mais... C'est pas comme si je pouvais sortir. Ouais. Bon, j'aurais pu garder la Joker pour après si j'avais pu sortir, mais bref. C'est une autre histoire. Bon, bah... J'attends la prochaine item room, et si la prochaine n'est pas la bonne, hein, encore une séance de... Reset Orcam. Ouais, c'est de la merde. Donc, je reviens dès que j'ai trouvé un truc. Bon, après presque 10 minutes de reroll, je ne déconne pas, hein, c'est... Enfin, de reset, plutôt. Il voulait pas me donner quoi que ce soit. Hein. J'ai eu Dark Bum un moment. Merci. C'est très utile avec le Keeper. Bah, j'ai trouvé une Old Leaf. Ce qui n'est pas le meilleur item du jeu, mais... On peut avoir des combos assez ouf avec. Hein. Il suffit d'avoir Poison Touch.
ou un truc dans ce style-là, et ça devient vite très intéressant. Donc on va essayer ça, hein, parce que je refais pas encore 10 minutes de reset, le jeu ne veut pas me donner de bons items, c'est un truc de fou. Donc bon, on va faire comme ça, si ça marche pas, c'est pas grave. Hein, mais... Donc, ça sert à rien d'aller à l'encontre de jeu quand il veut pas, hein. Il y a trop de trucs là, putain de connard! Bon, c'est si on crève, je referai des recettes, mais bon, voilà. Hein. Oh, c'est chiant. Voilà, c'est bon, tu peux plus spawn de trucs, on est content. Allez, meurs. Bob's Rotten Head, tellement utile. Me donner l'autre machin là. Bon, apparemment, la secret room n'est pas là. Mais ouais, Nodleaf, hein, suffit de tomber sur un bon item qui fait du contact damage et ça devient très vite intéressant. Ou alors sur le Sacrificial Dagger, mais celui-là en général il faut l'acheter. Enfin, au Devil. Donc bon. C'est assez dangereux, disons. What the fuck? Mais va crever, quoi. Bon. J'aime pas les ennemis ninja, ça m'énerve. Bon. C'est du gros bullshit. Alors. Bon. Le shop, est-ce que ça m'intéresse? Peut-être garder des clés, hein, cette fois. On va pouvoir avoir les deux, là. Si vous voulez. Pourquoi je fais ça? Ça peut pas être ici, je suis con. Bon. Allez, on va aller dans le shop. J'achète une clé au pire. Hein. Est-ce que j'ai envie de reroll? Pas vraiment. Non, en plus ça va pas me donner des pièces, donc bon. Bon, allez. Alors, on se bat contre le boss. Larry. Fais-toi exploser la gueule, Larry. Je sais pas trop ce qu'il pourrait me donner d'intéressant. Je pense pas que Poison Touch soit là-dedans. Ah bah maintenant on en a du Tears Up. N'importe quoi. Bon. Alors, où seraient les Secret Rooms? Oh, je m'en fous. Niveau suivant. Ça va blaser ces resets. Bon. J'ai pas de chance avec ce perso, c'est un truc de fou. Ouais. Génial. C'est vrai qu'en théorie on peut faire ça avec le keeper. Je vais garder une pièce de l'autre côté. Ça peut, ouais, ça peut être intéressant. Ouais, je pense pas que je puisse utiliser Nodleaf pour utiliser le truc à l'infini. On gagne pas mal de pièces, hein. C'est un health up. Donc on peut potentiellement prendre un Devil Deal. Si je ne me fais pas toucher. Ce qui est impossible, bon. toi tu pourrais me donner un health up aussi, mais bon. On va jouer avec celui-là aussi, hein. Vu qu'on peut le faire. Child's Heart, pourquoi pas, ça me donnera des mouches de temps en temps. Mais le problème c'est que du coup, ouais, je suis foutu.
Bon, les deux, je les utiliserai pas. Nice. Bon, Dead Bird, je m'en fous aussi. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir avec cette machine? Je sais pas trop. Un autre L-Sub serait un peu inutile, mais. Ah, ça peut me donner des trinkets, hein, pourquoi pas un canter, mais bon. Wow, on se calme. Eh, t'es coriace, toi, hein. Il est coriace, ce truc, tu vois. Eh ben... C'est abusé. Bon, tu vas exploser, oui. Putain, c'est ouf. Il veut pas exploser, hein. Oula, c'était un peu limite, ça, doucement. Faudrait pas me suicider. Pas une bonne idée. Bon, ça suffit. Ça me sonce. Ça me sonce, quoi. Ça me gonfle. Ah, il va tout me bouffer, lui, ce salaud. Ah. Ouais, super, des mouches. Funny pack, pourquoi pas. Bon. Ce n'était pas si ouf que ça, mais on a un L-Sup en réserve. Ça peut être extrêmement utile. Allez, Small Rock. Nope. Ce n'est pas Small Rock. On peut toujours avoir des items room, mais bon, depuis tout à l'heure... J'ai l'impression que tous les items les bons items du jeu ont disparu, c'est assez dingue. Non. Je n'ai vu aucun item puissant, quoi, c'est fou, ça. Ouais, je l'ai vu, genre, ouais, je l'ai déjà vu, celui-là, aussi, hein. Tout à l'heure. C'est un truc de fou. Déjà, est-ce que j'en... Non, ce truc, il va juste me gêner, quoi, donc bon. T'as des items que tu peux même pas prendre parce qu'ils sont tellement... Ils sont pourris, quoi. C'est dingue, quand même. C'est dingue. Est-ce que le shop pourrait me servir? Ouais, s'il y a un boss... Enfin, s'il y a un boss. S'il y a un damage up ou une connerie comme ça. Donc, je vais d'abord y aller. Ouais, la flamme. Même pas je te les enfile, hein, faut pas déconner. Oh mais sérieux! Putain, j'ai perdu mon Devil Deal, quoi. Eh, faut arrêter les snipes, les mecs, hein. Faut vraiment arrêter. C'est quoi ça déjà? C'est pas ultra cheaté? Je peux utiliser qu'une fois. Oh. D'accord. C'est pas possible d'avoir aussi peu de chance, quoi, c'est... Le seul endroit où j'aurais pu avoir un damage up, bah, il m'a détruit la roche, quand même. C'est cool, hein. Bon. Tellement utile. Le boss était invulnérable. C'est génial. Ah mais c'est délirant. C'est pas le mec qui tire en diagonale, celui-là? Ah si, c'est ça. Heureusement je m'en suis souvenu.
Évidemment, je n'ai pas de Devil Deal, hein, et... Pff, allez vous faire foutre. Non mais, sérieusement, quoi. Oh, putain. Je sais que j'ai pas de chance de manière générale, mais là, quand même, faut arrêter un moment, quoi. Juste, stop. Suffit. Arrêtez le massacre. Toujours dans le livre sinon, hein, mais... Je peux toujours faire un autre livre et j'attends une régène. C'est complètement pourri et je ne ferai pas ça. Hein. Il y a des gens qui utilisent ça pour gagner, mais non, 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 je ne ferai pas ça. Faut pas déconner. Pas que ça à foutre. Waouh, les mêmes ennemis, mais en différent. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais... Aïe aïe aïe. C'était pourri. Pourri. Vas-y, c'est bon. Allez vous faire foutre. Je vais faire du Azazel, speedrun, et voilà, vous allez tous crever. Non mais sérieux, là c'est du foutage de gueule, ouais, c'est pas possible. Oui, ouais, touche-moi, c'est bon. Ouais. Pas crever. C'est bon quoi. Là je vais avoir que les meilleurs items du jeu, hein, vous allez voir. Hein, ouais. Ah c'est. À un moment faut arrêter avec les bullshit quoi. Ça. Pff, ouais non, c'est toujours de la merde en fait. Hein. C'est toujours de la merde. Mais au moins, on va plus vite. On peut tout tuer. C'est mieux. Why not? Carrément. Scapular. Random scapular. Ok. Pourquoi pas. Ivy Bay. D'accord. Bizarre. Bizarre cette room. Ok. Dimbulb. Bon, bah c'est cool, il est excellent. Ok, hein, écoute, voilà, hein, j'ai déjà des meilleurs items que tout à l'heure. Famine. C'est bizarre, on va gagner. Quelle surprise. Aïe aïe aïe, bon. Ah non, mais Clipper, et non, toujours pas. J'ai beau être reposé, ça ne change rien. C'est toujours pourri. Quand je voudrais me donner des items corrects, peut-être que ça marchera, hein, mais bon. Ridicule. Casse-toi, Pin. Oh là là, vos gueules, quoi. Et qui pète un câble. Ouais, ça m'a saoulé. Qu'est-ce que c'est que cette salle? La salle perte de temps. Ok. Cette carte aurait bien évidemment été complètement inutile avec le keeper. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Big Chubby. Ah, j'ai déjà vu cet item, mais... En fait, c'est Little Chub, mais qui est lent. Ça n'a aucun intérêt. Bon.
Je n'ai plus de bombes. J'ai masse de clés. Autant aller dans le shop. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de bombe, donc je ne peux rien faire à part ça. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, évidemment, avec Azazel, on a tout fait, j'imagine. Enfin, j'ai fait Delirium aussi. C'est quoi ce bordel? Hein. On n'a pas fait le Gridior Mode avec Azazel. Sérieux. Là, j'aurais dû faire ça. Non, on fera ça du coup à un moment. Non, c'est chaud. Mais du coup, ouais, ce qu'il faut faire, c'est le... J'arrive jamais avec les deux. Hein. J'arrive jamais à savoir si c'est le négatif ou le... C'est très chiant, là, la gueule de ces trucs. Donc ouais, ouais, c'est le... Ouais, c'est le négatif. Bah, vous savez quoi? On va lancer le... Et du coup, ce sera avec Azazel, en plus. Ouais. On va lancer une victory lap. Comme ça, le post-it sera débugué, d'une. Et de deux, bah, on pourra faire la victory lap. Maintenant que je pourrai faire des vidéos dans moins d'une semaine. Et donc, être suffisamment chaud pour ce qu'il faut faire avec la victory lap. Sachant qu'on devient quand même... Comment il s'appelle? The Lost, à un moment. Bon, Dark Bomb, c'est intéressant, mais... On va dire que pas besoin, voilà. Et niveau suivant. Oh, sérieux? Faut arrêter, les mecs. C'est quand même plus cool hein, de jouer comme ça, non? Avec un perso pourri qui se fait sniper à chaque fois. Hop, ah bah enfin des bombes. Écoute, ouf, c'est de la speed, j'ai suffisamment de speed, toi j'en veux pas. Va te faire foutre. Non merci, même si ça pourrait être un damage up, mais... Les chances sont assez faibles. Ouais. Ça pouvait pas être là. Bon, bah merci l'araignée. Ok. Chocolat, c'est de la merde. Ah ouais, il est pété de vie ce truc. Eh ben, ça, il va résister à des tirs d'Azazel, quoi, c'est ouf. Bon, ok, je vais par là, hein, si tu veux. What the fuck, qu'est-ce que tu fous là, toi? Il est maintenant 17h. Merci, Canadien. Genre le random judgment paumé, le pauvre, quoi. J'avais jamais vu cette salle, c'est marrant. Oh, sérieux? Arrêtez, quoi. Laissez-moi tranquille. Je devrais avoir assez de bombes. Bon, faut arrêter un moment quand même. Hein. T'as aucune secret room quoi. Genre, le jeu qui dit bien fuck you. Ouais bah oui, me filez plus de pièces, hein, ça sert à rien. Mama méga encore. Alors. Bon, on va d'abord aller voir si je peux avoir quelque chose avec le Judgment. Sinon, je prendrai le cœur d'argent. Même si ce serait plus intelligent de prendre juste le cœur d'argent, mais bon. Mais si me file un health up, ça pourrait être pas mal pour un Devil Deal. Ça m'éviterait de me débarrasser de tous mes cœurs. Ce qui est mieux. Ah. Oh mais quel salaud! J'ai pas que ça à foutre.
Allez, vous avez quoi? On va faire ça. Oh, un radin de merde, là. Oh, sérieux, allez vous faire. C'est l'épisode du calme, hein. Ta gueule. Bon. Eh, vous avez un problème, les mecs, hein. Judgment, bon, c'est cool, j'ai un cœur d'argent, c'est bien, mais donne-moi une pièce, bordel. Enfin, une pièce, donne-moi un else-up. Ou autre chose. Please. Le pire, c'est que c'est pas si utile que ça, mais... Ah, bah voilà. Ah, si c'est Brimstone, je dirais pas non, quoi, mais... Bon, même si on a déjà une sorte de Brimstone, mais bon. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Bon. Merci, Cube of Meat, mais... Oh, la merde. Bon. Yes, et qu'allons-nous avoir? Spirit of the Night, ouais, c'est mieux que de dépenser des cœurs. Bon, niveau suivant. Attends, pourquoi j'ai pris Spirit of the Night? C'est complètement inutile. ouais, bon, certes. Je crois que ça me donne un speed up ou un truc comme ça. Et j'ai plus de bombes, forcément. Pink Eye, pas mal, mais ça vaut clairement pas... le truc que j'ai. Putain d'ennemi, quoi. Oh! Merci. Désolé d'avoir gueulé dans le micro. Et du coup, maintenant que je suis plus crevé, je gueule plus. Hein. C'est l'effet secondaire. L'effet secondaire pourri. Bon, j'aimerais bien avoir une item room ou un truc comme ça d'abord. Hein. Oui, je n'ai pas de bombe. Bon. Ouais, mais non. Non, 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 ça me touchait pas, non. Il faut vraiment arrêter avec les trois coffres qui sont tous pourris, quoi. Venger de ce connard qui m'a tué tout à l'heure aussi. Oui, qui crève, salopard. Bon, ça c'est quoi? Pretty Fly. Ben, cool. Revenu au truc de tout à l'heure. Ma tira était pas si dégueu. Please. Ah, j'ai enfin des bombes. C'est pas un magicien, une connerie comme ça. Stars. Ouais, bah ouais, cool. C'est un peu ce que je veux, quoi. Ah ouais, j'ai tout. Les items room sont mortes. Hein, et tous les items sont pourris. Je ne sais pas si c'est passé, mais... Voilà, gros bug dans la matrice, je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. Pourquoi je vais par là? Ça n'a aucun intérêt. Je savais qu'il y avait un cœur d'argent ici et une tinted drogue, voyons, c'est pour ça. Je sais tout, voyons. Qu'est-ce que je raconte? Bon. C'est vrai qu'on a, on a pas mal de vie, du coup, hein. C'est plutôt cool, ça. Plutôt cool. Bon, on va pouvoir retourner de l'autre côté. Et pas une autre tinted drogue dans le coin, si. Nice. On est full vie, c'est cool. C'est cool, ça. Bon, je voulais pas faire un speedrun à la base, si, mais bon. Avoir de la vie, c'est mieux. Putain, Rag Mega, je tombe pas souvent sur celui-là. En train de le massacrer, on dirait, aussi. En même temps... Bon,
Ouais, ça sert à rien que je prenne ça d'abord. Oh, Krampus, dans une petite salle, c'est génial, n'est-ce pas? C'est difficilement possible, ça, quand même, hein. Pas sûr que le Lump of Coal soit très utile ici, mais... Vous voulez, hein, mais bon, c'est... voilà. Non, si, ça doit aider, Lump of Coal aussi, quand même, apparemment. Peut-être. Dommage. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Qu'est-ce que je fais, sérieux? Qu'est-ce que je fous? Hop là. Ouais. Oh, ces saloperies d'ennemis que je déteste. Crevez! Crevez! Crevez tous! Ils arrivent quand même à bien me toucher, hein, ces cons. Ouais, faut se calmer quand même, hein. Ball of Tar, meilleur item du jeu, bien sûr. Stopwatch. Pas vraiment, bon. Et puis pourquoi pas, hein? Attends, là ça m'accélère, c'est cool. Attends, quoi? Ça n'a aucun sens. C'est la stopwatch, pas la broken stopwatch. Ce n'est pas logique. C'est bizarre, ok, bon. Pas trop compris ce qui vient de se passer, mais ok. C'était très étrange. Wow. Je vais mourir. Pas de Devil Deal. Et niveau suivant. Ça va plus vite, hein, d'un coup. Non, c'est quelque chose d'intéressant, non? Go. Allez. Ouh, la RNG de merde! Bon. Ça l'a quand même touché sur la fin. Pourquoi je l'ai ralenti? Ça n'a aucun sens. Right. Alors. Ha! Je suis plus rapide que vous. Bande de salauds. Balls of Steel, ouais, pourquoi pas. Hierophant, bon, ouais, je la garde en réserve, hein, écoute. Je vais pas m'en plaindre, c'est clair. C'est quand même mieux quand t'as un perso qui peut avoir de la vie, hein. Power Pill. Ennemi puissant. Qu'est-ce qui se passe avec ces trucs? On va essayer de tuer en dernier, mais j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit. Ouais, j'ai jamais compris. Ça a peut-être plus de points, mais on s'en fout. J'en ai complètement rien à foutre de mon item, mais je pense que ça m'aide pour le light bulb, donc du coup je le garde. Enfin, c'est pas comme si je pouvais l'enlever non plus. Death. C'est de la merde. Non mais c'est dingue, hein. Y a pas une item room bien. C'est un truc de fou. Une conspiration. Bon. C'est cool, c'est qu'on est grave rapide en plus. Le cost of bestial, je m'en fous. Je me débarrasse pas de ça, vous êtes fous quoi. Maman, tu vas mourir. Ah bah, je me suis fait toucher, mon dieu. RIP. Du coup on a dit négative.
C'est pourri. Alors. Waouh. Waouh. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Quel est ce site du mal? Oh mon dieu. Que de la merde. N'oublions pas, faut qu'on aille dans Sheol pour avoir le Victory Lap que nous ne ferons pas dans cet épisode, mais dans le suivant. Ah ouais, bah, vous voulez aller quelque part à 17h30 RIP, hein. Merci les 3 milliards de séances de reset, mais ça va, je peux aller plus tard. Même si ça va être limite. Non. Ce serait bien que j'arrête de me faire toucher de façon débile, n'empêche. Hein. Ce serait cool, en effet. Power Pill, Relax, Hierophant est toujours mieux. Est-ce que j'ai envie de me battre contre Hush? Pas vraiment. On pourrait, mais... Mais vu que je suis pas très bon contre H, peut-être pas une bonne idée. L'idée, c'est de faire le Victory Lap, c'est tout. Pin. Oui, je me fais toucher par Pin, rien à foutre. J'ai pas eu de pistel pourtant, hein, mais j'ai masse de coffres. J'ai deadluck, mais... Troisième Pretty Fly, mais ça ne sert à rien. Quatrième Pretty Fly, mais ça ne sert à rien. Attends. Peut-être par là. C'est peut-être par là. C'est comme... What the fuck, ouais, j'avais pas vu que c'est un double. À mon avis, hein, le Tough Heart, il va passer. Tough Heart, qu'est-ce que je raconte? Voilà, random clé. Mais grâce à ça, j'ai vu qu'on avait une Tinted Rock de l'autre côté. T'as peur, pile, c'est pas souvent que ça peut m'être utile, ces trucs. Une autre Tinted Rock. Ah bah enfin, la Small Rock, bon, c'est un peu too late, mais... Et surtout pas avec le bon perso, mais bon, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, je ne dis pas non. Au contraire, c'est un bon item, c'est un damage up. Putain, j'avais perdu pas mal de vie en fait. Missing poster. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire des trucs intéressants avec The Lost? Bon, j'ai déjà battu The Lame, mais ça se voit pas. Pas vraiment, parce qu'on a quoi comme item, à part le Brimstone d'Azazel, on n'a pas grand chose, quoi, concrètement. Ah, on a la Stopwatch, mais on n'aura pas Holy Mantle, a priori, si on se fait Resurrect avec The Lost, donc ce sera complètement inutile, voilà. On pourrait le prendre pour le Victory Lap, mais bon. Ce serait trop compliqué. De toute façon, on va devenir The Lost à un moment. The Sun, ça va m'être utile après. Emperor aussi. Donc, bah, je vais prendre Emperor. T'es obligé d'avoir des trucs comme ça, là. En plus, sur la map, c'est cadeau, non, c'est ça? Ces ennemis sont en DLC. C'est quand tu veux, hein, que tu me laisses te toucher. Hein. Merci. Alors. C'est fou. Hein. Vas-y, je vais prendre ça, je vais être tout petit. Je fais la taille de mes familiers, c'est marrant.
Bon, ça va être du bon. Non, c'est pas du tears up. Bon, fuck you. Pourquoi j'ai mal au dos, moi? Bon. Bon, allez, on avance bien. Scare et Doom, tu sais quoi, va te faire. Je vais pas perdre de temps avec ces conneries. Un œil derrière, sérieux. Bon, avec la défense qu'on a, pas trop de problèmes quoi. Hein. Je peux me faire toucher, avoir à peine. Alors, Devil Deal, on peut battre Hush. Pourquoi on veut se battre contre Hush? Ah oui, on est à 20 minutes, d'accord, ok, bon. Gimpy, ce machin peut être utile et pourquoi pas. Allez, de toute façon. Ça tuera les ennemis. Et Hush, non, on a dit. Ouais, non, fuck Hush. Faire la Victory Lab, c'est mieux. On pourra toujours se battre contre Hush dans une Victory Lab, si j'en ai envie. Putain, c'est marrant, la map, c'est une croix, alors qu'on est dans Sheol. Et qu'on va se battre contre Satan. Bah, bref. c'est pas mal. Bon. Ça doit être les Evil Mom's Hands. Ouais. Et sûr, il y en a deux. J'avais pas vu ces putains d'araignées. Bon. J'ai pas trop de vie, n'empêche. Hein. Faut que je fasse attention. Bien de sacrifier mes cœurs comme ça, mais. Mais Sheol n'est pas le niveau le plus simple en plus, donc. Ouais, mais non, mais faut arrêter un moment, quoi. T'es minuscule. Oh non, pas eux. Comment on est censé éviter ces ennemis, sérieusement, quoi? Ça n'a aucune logique. Bon, pas de Tinted Rock. Ok, hein, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire fuck you, tu vois. Pour être poli. Ou pas. Non. Bon, évidemment, c'est pas par là. Random Fallen dans ta gueule. Bon. On est quand même assez puissant. High Priestess, ça peut être bien utile. On a plus de temps de vie que ça, hein. Faut pas faire le malin. Peut-être pas dû sacrifier mes deux vies, mais bordel! Alors stop quoi. Ouais, casse-toi. Bon. Oh, non mais pas vous! Je pense qu'il faut être grave patient avec eux, mais. Le problème, c'est qu'ils se téléportent derrière toi, quoi. C'est ouf. Le cap supplémentaire, pourquoi pas. Ah, bah quand même. De la vie en plus, et. Lui. Bon, s'il me donne un health up, est-ce que je le prends? Je ne sais pas trop. Pour l'instant, c'est pas tellement utile ce qu'il me donne. Hein. Alors, Devil, Hierophant, hein, j'espère un Hierophant, donc ça c'est cool au moins. Ça c'est grave utile. Devil, damage up de plus. Pas de Wheel of Fortune. Bien n'importe quoi. Judgment encore. Ok. C'est de la folie. Une pilule full health. Utilité de fou, bien sûr.
Bon, toi, on t'explose. Tu vas nourrir ton pote. Aucun sens, ce qui se passe. Two of spades, hein, parce qu'on n'a pas assez de clés. Voilà, 76 clés, ça nous servira tellement à ce moment-là. C'est n'importe quoi. Bon. Et vas-y, crève. Tu vas saouler. Bon. On a gagné pas mal de vie au moins, c'est cool. Oh, enfin merde. Bon. J'ai jamais eu ce timing, mais... Donc, c'était pas le même dans Wrath of the Lamb en plus. Bon bah ok hein. Fais-toi toucher, ça m'arrange au final hein. Satan, tu ne peux rien me faire, tu vas te faire buter. Môme dans ta gueule. Moi ça lui a rien fait. Je ne sais pas. Bon. Ah, vous êtes lent. Vous êtes lent. Vous pouvez rien me faire. Moi. Die. Bon, c'est plaisir ça. Allez. Petite musique ralentie là. Alors, qui a-t-il Ok. Guppy's Tale. Est-ce que j'ai déjà eu un objet Guppy? Non. Est-ce que les transformations restent entre les Victory Lap? Je pense. Du coup, ouais, c'est dangereux, mais... Bordeaux bon, style, ok, cool. Power Pill, bien aussi. Pretty Fly, bon, à ce niveau-là, c'est un peu tard. C'est pas la pilule que je voulais prendre, mais c'est pas grave, je la reprendrai après. Power please. Oh là là. Bon. Ça me donne de la vie, c'est cool. Health up, est-ce que je suis fan de ça? Ouais, oui et non. Bon, continuons. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on dira pour le prochain niveau. Ah, pour la victory lap, on va pas manquer de clés, ça c'est clair. Hein. Qui fout, hein. C'est vrai que c'est cool, on peut accumuler pas mal d'items maintenant, donc... On peut en profiter. Parce que bon, si on veut gagner avec The Lost, va falloir... être plus coriace que ça, quoi. Encore des ennemis en DLC. Qu'est-ce que c'est que ça? Lead Pencil. Je ne sais absolument pas ce que ça fait. C'est cool, on tombe sur un nouveau item. Hein, why not? Oh, mais ça suffit! Ouh, cette fameuse salle. La salle du test. Cette voix, c'est puissant. Bon, et j'ai fait de la merde, bien sûr. On se calme, hein. Et du coup, on n'est pas assez puissant. Non. Bon, stop, hein. Arrêtez de vous... Mais, ah, stop. Les mecs, ils sont synchro, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Bon. Eh oui, mais vous êtes méchant, là. Ok. C'est pratique la stopwatch, n'empêche. Hein. Ça nous serait utile, ce serait bien qu'on récupère Holy Mantle aussi. À un moment. Ça va, j'ai assez de mouches, hein. Ça suffit. Bon, Curse of the Maze, please, quoi. Je crois que si on avait. S'il y avait un compteur du nombre de mouches, on en aurait quoi, là.
7, 8, truc comme ça, c'est n'importe quoi. C'est la fête de foule. Pas l'impression que ce soit par là, hein, quoique. Peut-être. Je me demande quand même où sont tous les items cheatés du jeu, hein, parce que bon. On a toujours pas là. On aura peut-être un moment, hein, pendant la Victory Lap, qui sait. Je n'ai pas de chance aujourd'hui, j'en aurai peut-être demain. Espérons. Oh ouais, je refais pas une partie aujourd'hui si avec une chance pareille, hein, c'est mort. Je veux bien faire plusieurs vidéos par jour, mais là, là non quoi. De toute façon, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Ah, The Lamb. Faut vraiment que j'arrête de me faire toucher, n'empêche. Hein. Les dents, why not? Mais qu'est-ce que tu fais? Aucun sens. Non, pas mal de bombes, donc autant les utiliser. Oh bah sérieux. Ok, hein. The Lamb. Est-ce que j'ai envie de le power pile? Pas vraiment, autant la garder pour plus tard, celle-là. Ou... Oh, vous savez quoi? Si tu me fais un truc pareil, voilà. Bandage Girl dans ta gueule. Ça va te calmer. Qui fait des charges bizarres parfois, même si ça n'arrive pas souvent. Bon bah on s'est fait toucher quand même. What? C'est quoi cette ce final bizarre? Bon, et sur ce, The Lamb, sur ce tu vas mourir. Et moi aussi apparemment. Oh putain. Attention, meurs quoi, c'est n'importe quoi. Non, ça va. Oui, je veux une victory lap. Et la victory lap, ce sera pour le prochain épisode. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai deux curses? Ok, bon. Bon, du coup, on a fini pour cette fois. Et ouais. Et plus de musique. Il se passe des trucs bizarres. Bon. Du coup, sur ce, bon, bah, le Keepers, voilà, ça n'a pas marché. On était maudits aujourd'hui au niveau des items, donc Azazel était sans doute le meilleur choix. Et donc, dans l'épisode suivant, je retenterai les Victory Lap afin de débloquer l'option rerun et de gagner avec The Lost aussi. Hein. Il est maintenant 17h30. Merci Canadien. Et d'ailleurs on pourrait faire des trucs avec The Lost, mais on... Ouais non, on verra. C'est dangereux de toute façon, mais... Mais vu qu'on peut utiliser les Victory Lap pour avoir des achievements, même si on n'est pas censé pouvoir, mais... Il y a la technique. Bref, si je fais des quits continue comme je fais, bah... Parce juste pour séparer mes épisodes au final, ça réactive les achievements pour les Victory Lap. Donc bon, bref. En tout cas, sur ce, c'était Merlin Boss pour le 17e épisode d'Afterbirth Plus, et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde. Mouah.